devenir une arme. Donc le but, c'est surtout aussi, on peut faire un écart de 10 cm, hein, de plus. La voie est large, hein, c'est surtout ça. Vraiment faire attention au cône. L'objectif des portes ouvertes aujourd'hui sur le centre de Châtellerault, c'est de faire découvrir les coulisses de l'autoroute à l'ensemble des professionnels de la route, futurs professionnels de la route et grand public. Et également, bien sûr, de faire participer à ces journées nos partenaires habituels sur l'activité autoroutière. Après, on va vous indiquer 200 mètres après la coupure de voie. Donc en fait, la voie que nous, on va fermer. Donc là, on est sur la 3 voies. Là, on va vous indiquer qu'on va indiquer la voie la plus à droite. Donc 200 mètres après, je vais les mettre en face. Donc là, vous savez la voie qui va être isolée. Et après, on va commencer à descendre les vitesses. C'est une sensibilisation du public vis-à-vis de nos métiers et puis le comportement à adopter sur l'autoroute ou aux abords des péages. Il y a encore trop d'accidents aujourd'hui ? On déplore effectivement des accidents. Voilà, un peu de vigilance et tout le monde s'en sentira beaucoup mieux. Parce que là, pour arriver à passer les vitesses... Non, mais conduisez normalement. En fait, oui, vous prenez... Je regarde en face. Oui, loin, si possible. Alors ici, donc, on vous présente l'ensemble des métiers qui gravitent autour de l'autoroute. On ouvre le rideau sur les coulisses, c'est-à-dire que vous connaissez les hommes en jaune, les receveurs qui sont au péage, mais vous connaissez peu les métiers qui peuvent environner le travail du patrouilleur, c'est-à-dire qu'en dehors de la patrouille et du péage, il y a aussi beaucoup de travail en matière de balise zone de travaux, en matière d'entretien de l'autoroute, et tous ces métiers-là sont expliqués aujourd'hui sur le centre de Châtellerault. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est... On va être dans le cas.